refroidi, Mila. Prends ta zut. Mila. Par ici, Mila, tu chauffes. Trouvé. Viens là que je t'attrape. Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Coucou, bonjour. Oh là là, tu devrais voir ta tête quand tu regardes la télé. Tu es tout sérieux? Allez, on est là pour faire la fête, pas pour faire la tête. Oui, je sais, ce n'est pas bien du tout de se moquer, mais je voulais jouer à Aurel, le plus affronrible moqueur du monde entier. Tu veux que je te raconte son histoire? Eh ben non, tiens, je n'ai pas envie. Non, je rigole. Bien sûr que je vais te la raconter. Allez, c'est parti. Aurel, le moqueur. L'histoire d'Aurel se passe il y a très longtemps. Voilà, c'est lui, Aurel. Bonjour. Bien bonjour, Venom. Il est sympa, Aurel. Mais il a aussi un gros défaut, un très gros même. Il ne peut s'empêcher de... Le gros osoteur de saucisson. Bien bonjour, monsieur, et bon appétit. My police. Bon, tu as compris. Aurel ne peut pas s'empêcher de se moquer de tout le monde, tout le temps. Comme si c'était plus fort que lui. Et on applaudit bien fort les deux sœurs casseroles qui viennent de nous chanter leur tube, les casseuses d'oreilles. Docteur, venez vite, il y a un nez en patate à soigner. Hey, mon vieux, le panier est là-haut. Vous avez vu ça? C'était... Oula. Bonjour, jeune homme. Ouh, ça va, madame Nécrochu, grosse verrue? Alors là, c'est la grosse erreur d'Aurel. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, la vieille dame, c'est une horrible sorcière. Tu t'es moqué de moi, vilain garçon. Ratatouille et pâte au thon, je te transforme en hérisson. Jolie crotte de bique, te voilà moche et qui pique. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait, mon magnifique corps? Tu redeviendras joli jeune homme quand tu ne te moqueras plus de personne. Oh, et puis non, c'est trop facile. Tu redeviendras joli jeune homme quand tu ne te moqueras plus de personne et quand poil de rat et boule de gomme, une jolie fille t'embrassera sur le nez. Et oh, c'est comme ça. Oh là là, eh ben c'est pas gagné. Parce qu'avant qu'une fille n'accepte d'embrasser un hérisson... Et voilà, l'histoire est finie, j'espère que ça t'a plu. Mais non, je blague. Je n'ai pas terminé mon histoire. Allez, Zou, c'est reparti. Tiens, une fatigue sur Pats. À tes piquants tombe un pix. Aïe. Oh, ben merci. Comment je vais jouer maintenant? Tu feras parfaitement l'affaire, tête de cactus. Ouah, tu rebondis drôlement bien, tu sais. Ouais. Avant, j'étais un beau garçon. Maintenant, je ne suis qu'un hérisson. Maintenant, tout le monde se moque de moi. On applaudit bien fort. La dernière chanson du hérisson. Je chante comme un paillasson. Tu ne sens pas bon. Va te laver. Tu redeviendras joli jeune homme quand tu ne te moqueras plus de personne et quand une jolie jeune fille t'embrassera sur le nez. Oh, pauvre moufette, je vais l'aider. Yeah. Allez, du balai. Laissez cette moufette tranquille et que je ne vous revoie plus jamais l'embêter.
Ce n'est pas sa faute si... Oula! Oh, merci. Oh, merci de m'avoir aidé, monsieur le hérisson. Ces lapins à la noix n'arrêtent pas de se moquer de moi. Vous savez, je ne supporte plus les moqueries depuis quelque temps. Ah, youpi! C'est bon, je suis guéri. Mais tu es... Et je suis... Mais arrête de répéter ce que je dis. Ouh, les amoureux. Alors là, c'est extra fantastique. En fait, la moufette aussi a été transformée par la sorcière. Et tu sais quoi? Eh ben, Aurel et elle se sont mariés. Et ils ne se sont plus jamais moqués de personne. Enfin, sauf d'eux-mêmes. Tiens, mon petit hérisson en sucre, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Oh, merci, ma moufette au chocolat. Voici aussi un cadeau pour toi. Oh. Oh. Voilà, c'est une plante qui ne manque pas de piquant comme toi. Super. Et au moins avec ce bon parfum, ta mauvaise odeur ne va pas la faire faner. Et voilà, mon histoire est finie. Mais oui, cette fois-ci c'est vrai, je ne me moque pas. Mais j'y pense, monsieur Piquedouille, mon petit hérisson. Ben oui, si ça se trouve, c'est aussi un monsieur qui a été transformé par une sorcière. Monsieur Piquedouille. Ah, te voilà. Proutazut, tu n'es pas un beau prince. Oh, mon Piquedouille, je disais ça pour rire. C'est sûr, il ne faut vraiment jamais se moquer des autres. Ça leur fait trop de peine.